Tous les vendredis, 19h-21h, sur Radio Mont Blanc, on vous offre 2 heures de musique en version live avec Romain Bruno. Hey, oh, you, my dear. Le live back ce soir avec en interview Aurélien, le chanteur principal et guitariste du groupe Bears Towers. Salut Aurélien. Salut à toi, ça va? Très bien, je te remercie. Merci d'être avec nous ici ce soir dans live back sur Radio Mont Blanc. On a plein de choses à se dire ensemble. On va parler d'une soirée qui est en cours de préparation. Faudra voter pour eux, pour les Bears Towers. Exactement. Ah ouais, ça, on vous expliquera comment faire. Juste avant, Aurélien, les Bears Towers, est-ce que tu peux nous présenter déjà ton groupe? Ah bien sûr, bah, on est quatre en fait dans le groupe. On est quatre copains, on se connaît depuis un petit moment en fait. On a donc Olivier Udry à la basse, mm-hmm. et accessoirement bientôt au synthétiseur, bientôt, enfin on espère bientôt le rentrer sur scène. On a les deux jumeaux, donc Tommy et Nathan Karaoui. Donc Tommy est à la base était guitariste, on l'a remis à la batterie en fait. D'accord. On trouvait ça plus efficace. Donc Tommy à la batterie et Nathan qui s'occupe de l'harmonica, de la composition et de la guitare. Quel voilà. Style de musique hein. On est entre le pop et le folk et une petite touche de rock parce qu'on aime beaucoup le rock. Vous êtes de Cluse, faut le dire. Cluse, en fait, exactement, on est de Marnay-Étier, exactement. Mais on me dit bien Saint-Clusien, c'est plus simple. D'accord, groupe local, les amis. Et alors, l'une des bonnes nouvelles, c'est la sortie de Cold. Exactement, c'est notre premier single issu de notre album qui sortira normalement cet octobre, enfin octobre exactement. D'accord. C'est pas encore la date exacte, mais on espère que ça sera avant la fin, quoi. Et il y a un clip qui tourne déjà sur les réseaux sociaux, on peut le voir sur Facebook. Tu peux nous parler de ce titre hein? Bien sûr, bah, Cold en fait c'est une chanson déjà qui nous tenait vachement à cœur parce qu'elle parle de plusieurs choses qui sont assez intéressantes, notamment les relations entre l'homme et la femme et cette capacité qu'a l'homme à sacrifier pas mal de choses pour rester avec cette personne, même si ça ne va pas tellement ensemble, quoi. Il était tourné où le clip? Parce qu'on voit un beau chalet. Eh ben, il était tourné à Flumet en fait, exactement. À Flumet. D'ailleurs, on remercie Jade et Théo pour. Donc Théo, c'est la personne qui nous a fait le clip. Hein. Merci à toi d'ailleurs. Et Jade pour le chalet à Flumet qui nous a bien dépanné avec une petite montée en 4x4 bien sympa. Qu'on voit d'ailleurs au tout début du clip. Exactement. Hein. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Hey ho, you my dear, I'll send you cry a father times. Cold des Bears Towers, on va l'écouter dans quelques instants. Pourquoi Bears Towers d'ailleurs? Pourquoi Bears Towers? Alors on a eu du mal au début à trouver un nom. À la base on était tous les trois, on était donc les deux jumeaux, donc les deux Karaoui et moi-même, et on se demandait comment s'appeler. Alors on s'est dit à CDC, ils ont trouvé un nom derrière un aspirateur. On a commencé à chercher derrière les aspirateurs, on n'a rien Tyson. Trouvé. Exactement, on trouvait que ça sonnait mal. Et au final on s'est penché sur une petite signification un petit peu. Enfin c'est bête mais on m'a toujours dit que je ressemblais un petit peu à un ours avec la barbe et voilà, et du coup on s'est dit bah tiens on va s'appeler les ours, et puis les deux jumeaux et bah les deux tours jumelles de tours Towers, Bears Towers. Et au final maintenant Olivier nous a rejoint, donc va falloir qu'on change de nom à cause de lui. On va l'écouter ce titre Cold des Bears Towers, et juste après on va faire un appel à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Vous allez pouvoir voter pour eux, et surtout s'ils sont élus ils feront la première partie de qui? De Synapson à l'Arcadium. C'est juste énorme. On revient dans quelques instants. Je suis avec Aurélien, le chanteur principal et guitariste du groupe Bears Towers. Hey ho, you my dear, I'll send you cry a father times. Hey ho, you my dear, I've held your hand through all our pains. Oh, you, my dear, I've kissed your lips and I've shared your dreams. I'm tired.
you just have to go. I'll be there to make it okay. And if you're cold, you just have to go. I'll be there to make it okay. And if you're cold, just have to go. I'll be there to make it okay. And if you're cold, just have to go. I'll be there to make it okay. Les Bears Towers sur Radio Mont-Blanc dans le live back, et j'ai toujours avec moi Aurélien, le chanteur principal et le guitariste du groupe. Alors, j'ai vu sur votre page Facebook, vous pouvez y aller d'ailleurs, aller sur la page Facebook des Bears Towers, on peut voter pour vous puissiez faire la première partie de Synapson, c'est vrai ça? Exactement, c'est un casting organisé par, par le Crédit Agricole, et en fait il suffit simplement de voter, de choisir les secteurs des deux Savoies, de mettre Bears Towers, et de voter en fait, de mettre je vote pour cet artiste. Alors le système de vote est un peu compliqué, mais on peut bien s'en sortir si on suit bien les étapes. Alors moi qui ai deux mains gauches au niveau de l'informatique, j'ai réussi. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Ça peut vous rassurer. Vous allez sur le Facebook directement des Bears Towers, vous verrez en page d'accueil, vous cliquez, c'est tout simple. Et après, il faut juste rentrer son numéro de téléphone parce qu'il y a un code pour éviter de voter 3, 4, 5 fois. C'est pour éviter les tricheries. Exactement. Alors, ce qui m'étonne, on les a eu Synapson ici dans le live back, en interview. Alors, c'est de l'électro, d'accord. Et pourquoi avoir choisi les Bears Towers ou même d'autres groupes? Il y a plusieurs styles de groupes, c'est ça, en compétition? Exactement, il y a autant du rap, de l'électro, de la chanson française, du rock, il y a un peu de tout, donc... C'est assez intéressant justement comme casting d'avoir différents styles. D'accord. Et si vous êtes sélectionné, ça sera quand? On a une date, quelque chose comme ça? Il me semble que c'est... Ah, j'ai pas la date exacte. Mais le principal, c'est qu'il faut voter pour Exactement, vous. C'est ça. Il faut vraiment voter. Ça serait super sympa. Grâce à déjà plusieurs personnes, on a réussi à passer troisième. Et il nous manque quelques votes pour passer deuxième. Et encore quelques votes pour passer premier. Ce serait vraiment super pour nous si vous y alliez sur ce petit site et que vous pouvez lâcher un petit j'aime pour nous, un petit vote. Ce serait super. Allez-y, c'est des locaux, faut les défendre. Les Bears Towers. On rappelle, on a Aurélien avec nous, le guitariste et le chanteur principal de ce groupe. Il y a des dates de concert pour venir vous voir? Bien sûr, on joue ce dimanche, le dimanche 25, à l'Artotem à Métay, dans une petite salle de concert assez sympa. Donc si jamais vous êtes dans le coin et vous savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas à passer, ce sera super cool. On a également, on va jouer aussi le 28 octobre à l'Éphémère, le restaurant qui ouvre le bar-restaurant ambiance qui ouvre à Marna, normalement pour justement la sortie de l'album. On va essayer de faire un petit vernissage assez sympa. Donc si jamais vous voulez passer, ce sera avec grand plaisir. Et pour suivre toute l'actu des Bears Towers? Eh bah sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Rock en Folie, un peu partout, on est un peu partout. Donc si jamais vous voulez nous suivre, vous avez juste à taper Bears Towers et vous nous trouverez. Merci Aurélien, et puis merci à tous les autres également qui se cachent derrière toi, le groupe des Bears Exactement. Towers. Merci à moi, merci à toi aussi, et puis merci à tout le monde. Tous les vendredis, 19h-21h, sur Radio Mont-Blanc, on vous offre 2 heures de musique en version live, avec Romain Bruneau.